suis là, face à ces géants. Je suis là, prise par cette volonté farouche de leur rendre toute la gloire qui leur est due. Ceux-là, ceux-là qui vécurent jadis, à une époque qui nous fait rêver, qui nous fait chanter, qui nous fait pleurer de nostalgie. Bach, Brahms, Beethoven, Rachmaninoff, Chopin, Debussy, Ravel, Rizzi, et tant d'autres. De simples hommes parmi les grands, des étoiles dans leur temps, et aujourd'hui, je suis là face à ces géants, l'âme et le cœur dévoilés, afin de rendre tout ce qu'ils nous ont donné, par leur sueur, leur joie, leur souffrance, par leur amour de la vie, par leur amour de l'autre. Commençons alors. Prenons l'envol vers une douceur de vivre. Car si la nostalgie est aujourd'hui à l'honneur, et si elle ne peut exister sans le voile d'une douce mélancolie, que nostalgie lui-même ne serait-il de l'être s'il ne se donnait aux instants de répit. Partons alors au temps de la Bohème, le Paris du moulin rouge de Montmartre et de la Belle Époque. Partons avec Satie dans le monde des nuits parisiennes et des cafés-concerts où l'absinthe, cette fée verte, coulait à flots.